Bon, nous voilà de retour. Alors là, on était parti pour faire la dernière quête annexe de Kiryu sur le mini-jeu de la danse. Le disco Maharaja. On va bien voir ce que ça donne. Si, j'ai l'impression qu'il est, il est là, là, avec les lunettes en violet, là. Là, là, tu vois. Oh! Incroyable! Personne ne peut le battre, je le connais, je sais qui c'est. C'est quoi ce délire? On le voit dans sa jeunesse. Vous êtes tous pathétiques! Personne n'est capable de me battre! C'est tout ce que Tokyo a dans le ventre! Espèce d'idiot, ouais. On le connaît, hein, ce mec. Pareil, si vous avez fait les Yakuza dans l'ordre de leur date de sortie et pas dans l'ordre du chiffre, eh bien, vous le connaissez déjà, hein, il était dans Yakuza... Dans un autre. Le même que Dolce Camilla, eh oui. Ils aiment bien faire revenir leur perso, hein, encore une fois. Il n'a pas intérêt à me gonfler longtemps, ce connard, sinon je vais lui écraser la tête contre le mur, il va rien comprendre. Hein. C'est un professeur de danse. Je sais pas s'il l'était à l'époque, mais bon. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh, on entend le bruit du fever du mini-jeu de Majima. C'est Ogita! Rappelez-vous de lui. Il va moins faire le malin longtemps. Bienvenue, cher client. C'est le meilleur! Franchement, personne ne lui arrive à la cheville! Vous devez nous venger, Kiryu-san! Daisuki! Oui, merci. Le moment est mal placé. Et malvenu pour plaisanter. C'est sérieux, là. Je prends la danse très au sérieux, contrairement à toi, je te signale. On va le défier. Toi, je vais venger mes amis. Ouais, c'est marrant, je me rappelais plus. Hein. Eh ben, t'as intérêt à me montrer ce dont t'es capable. Merde! Encore une fois, j'ai appuyé trop vite, ça casse les couilles. Prends ça! C'est la chanson de Miracle Johnson. Tiens, on change de place. On est synchro. Comment on avait battu l'autre connard déjà là? C'était en mode normal ou facile? Enfin, la fille plutôt. J'essaye de garder mes combos. Putain, cette vitesse à laquelle il se déplace. C'est complètement cheaté. Mais pourtant, on est pareil. Allez, ne pas se tromper. J'aimerais la voir du premier coup. Putain. Faut pas regarder les rectangles, faut vraiment se fier au rythme, bordel. Ah merde, pas comme là! J'ai perdu mon combo. Tiens, je fais du kung-fu! Attention, on est au coude à coude. Le coup du coude. Le coude. On l'a utilisé au bon moment, le truc. On n'aura pas de troisième fever. Non! Attendez, on a gagné! Putain, on a gagné à 6 points, je crois! J'ai fait que de la merde sur la fin. Hein. Et je me suis laissé déstabiliser mes deux ouf. Hein. Oh, on a gagné à 16 points! Eh ben, bien joué. C'était dur, hein, vraiment. Mais je pense que là aussi, il y a un côté aléatoire. Et le mode de difficulté, ça change aussi. Incroyable, quoi. Vous avez reçu plus d'applaudissements que moi, j'y crois pas! Tant mieux, franchement c'est tant mieux qu'on le passe du premier coup. J'avais vraiment pas envie d'y passer trois plombes. Je vais me venger, Kiryu, un jour ou l'autre. Je vais me venger sur ceux que vous aimez. Se quitte. Tu t'es bien débrouillé, je veux pas de ta pitié. Ce n'est pas une raison pour me parler sur ce ton mielleux.
Un jour, on se reverra, Kiryu. Dans de meilleures circonstances, je suppose. Non ! Oublie-moi. Donc on le reverra, hein, dans un prochain Yakuza. Ce sera pas pour tout de suite. Je rêve d'être le meilleur. Et je reculerai devant rien pour y arriver. Bien, bravo. Je me doutais que c'était... qu'on l'avait, il me semblait bien. Mais c'était de ce côté-là. C'était pas avec Majima. C'est assez étrange. Normalement, c'est une arme. Je veux défier le champion! Non! Vous avez eu votre chance! On se reverra plus tard. Elle est toujours à l'ouest, à ce que je vois. Le Disco Dreamland. Kirby Dreamland. Ouais! C'est parti! Eh ben, je suis pas mécontent de l'avoir passé, hein, ce truc. À l'époque, j'avais galéré. Hein. Il me semble... Tout peut basculer en l'espace de quelques secondes. Hein. C'est assez affreux, quand même. Hein? Qu'est-ce que... Non, non, mais c'est là. Hein. Mais on l'avait pas déjà eu avec Majima. C'est complètement con, quand même, hein, ce truc. Bon, écoutez, je sauvegarde. Et écoutez, j'ai pas la moindre idée... De comment faire les autres. Pour moi, c'est les fun boots. Mais je vais vérifier quand même. Allez, fais voir. Alors, fais voir le 30. C'était lui, c'est ça? Ouais. Et fais voir le 31. The Innocent... Ouais, c'est ça. The Innocent Hookup. C'est ça. Faut aller à Telltale Boys Club. Et il faut... Il faut try each of the 3 packages, c'est quoi? Each is a different woman. I believe Riku was the middle package, hein? There are only 2 girls. Speak to the one wearing blue. Comment ça, the middle package? Bon, ben c'est ça, il faut essayer les 3 packages. Bon, ben écoutez, vu qu'on ne l'a pas fait souvent... On l'avait fait une fois dans le scénario principal et une fois contre le adulte King, là. C'est où, Telltale? C'est là. Des friendly girls. On s'en fout, on veut être plus qu'amis. Ouais, c'est ça, hein, franchement. C'est ce que je craignais. Mais elles sont pas 5, hein, normalement, s'il y a que 3 packages. Et je sais plus c'est quoi cette histoire de package. Une fois n'est pas coutume, il y a des travaux, ça casse les couilles. Alors fais voir le... Mais franchement, c'est très compliqué, c'est pas comme avec les hôtesses où tu vas les voir, tu sais que c'est elles. T'as juste à leur parler, leur répondre des trucs... Là, il faut débloquer la fille, il faut tomber sur elle. C'est ça le truc. On va aller à Telltale. Il faut arriver à... C'est ça un fun club, j'en ai entendu parler. J'ai toutes les cartes. Laissez-moi entrer. Vous devriez avoir aucun mal ici. La voix, c'est très important, c'est la seule chose que les filles ils ont pour vous juger ici. Les vidéoconférences, ça existe pas encore. Oui, je suis au courant, je l'ai fait avec Majima. Une nutshell. Je vous montre juste comment ça marche une fois. Parce que là, il faut la débloquer, c'est ça qui est... voilà, tu vois. Short, medium et long. Mais a priori, il faut faire les 3. T'es sûr? Putain, ça me semble bizarre quand même. Il dit Riku, c'est le middle package. Il n'y a pas de package, c'est des courses. Et apparemment, il y a des filles différentes sur les 3. Et ça dure plus ou moins longtemps, je suppose. Allons-y! Donc il faut appuyer sur le QTE, hein, vous rappelez, pour décrocher. Mais ça peut prendre plus ou moins longtemps. Ouh! Mouche mouche.
Alors, c'est parti. On te rappelle, il faut utiliser le stick droit pour... Ah, merde, mais c'est la truc de brun, là. Mais c'est celle qui est pourrie, putain. Ouais, bien joué, ça commence, je me suis trompé de truc, hein. Mais c'est celle qui est pourrie, là, c'est la random qu'on avait déjà vue, on s'est trompé. Mais bordel, c'est pas elle. Lynn est minuscule. Quand tu veux, Jackie. Donc tu vois, faut target les bons trucs. Mais là, il se cache, hein, l'autre. Mais c'est pourri, bordel. On s'en bat les couilles de elle, là. C'est le... C'est celle qu'on avait déjà vue dans le... Celle qui a un physique quelconque, là, le... La fille random, entre guillemets. Prends ça. On se rattrape un petit peu, là. On peut pas sortir, c'est pas elle, Riku. Comme quoi, ça veut... Quoique, ça veut rien dire, hein. Attention. Oh! Dudum. On a vidé la jauge. Même si, en temps normal, prends ça. Elle aurait raccroché. J'ai appuyé juste un tout petit peu trop tôt. Je te rappelle, on l'avait déjà fait ce truc, hein, mais c'était il y a longtemps. En fait, faut vraiment appuyer quand t'es dessus. Mais ça dépend, ça dépend. C'est pas tout le temps comme ça. Mais c'est la fille random, c'est pas elle, Riku. Voir sa tête. On l'avait déjà eu, bordel de merde, là. C'est celle-là qu'on avait eu avec le... Et normalement, c'est aléatoire, hein. Si je reload, ce sera... Celle qu'on avait déjà eue avec le mécouille, là. Ouais, ben, pauvre con, j'avais target l'autre, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout, ça peut pas baisser plus que ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Oh, on a échoué. Elle a raccroché, hein. Oui, bah, c'est pas plus mal. Mais on a une minute de moins, maintenant. C'est pas plus mal, elle m'intéresse pas. Hein. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? J'ai appuyé, là! Mais qu'est-ce que c'est que ce mini-jeu de brin, putain? Non, mais j'ai appuyé sur la bonne touche, va te faire foutre! Alors, attendez, concentré. Là, par contre, c'est lent. Ça peut te donner une indication sur la fille. Alors, faut voir si elle est encore en vert, là. Non, tu vois, elle est en rose, la fais pas chier! Donc peut-être qu'elle, on peut sortir, quoique. Des fois, c'est des drag queens. Hein. Oui, d'ailleurs, le fait que ce soit lent, ça me met la puce à l'oreille. Hein. À mon avis, c'est un fake. Hein. Des fois, c'est des mecs hein, qui se font passer par des filles ou je sais pas quoi. Des fois, c'est des filles avec des moustaches ou je sais pas quoi. Ça te fait débander direct. Et elle, je crois que c'en est une, hein, d'ailleurs. Bon, écoutez, ça me casse les couilles. Ça va pas durer éternellement, ces conneries. Je vous coupe et je vous reprends dès que j'aurai déclenché quelque chose d'inhabituel. Allez, à de suite. Bon, nous voilà de retour. Alors là, apparemment, j'ai réussi. Peut-être que c'est elle, allez savoir. J'ai recommencé tout, parce que j'ai chié dessus avec celle, avec le bikini rose. De toute façon, je pense que c'est un mec. Et là, je suis tombé sur une fille au bikini bleu. Deux fois. Et donc là j'ai recommencé du début. Et là, comme vous pouvez le constater, bah, j'ai été jusqu'à Can We Meet. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Je pense très clairement que c'est l'une des filles avec qui on peut sortir. Il y en a plusieurs, encore une fois. La couleur du maillot, ça peut vous interpeller. Vert, je pense que c'est bidon. Rose, je pense que c'est un mec. Et elle, ben, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est bon. A priori, c'est bon. Hein. Ça se... Je pense que c'est l'une des filles avec qui on peut y arriver. Mais de toute façon, je pense qu'il faut... Ah voilà, c'est ça, c'est Riku. Bien joué. Donc honnêtement... Ben voilà, c'est comme ça que ça marche, les filles du téléphone. Ça remplace les hôtesses, encore une fois. Et... Ah putain, on a été portés ici, c'est quoi ces conneries? Parce qu'il faut la trouver, hein. Il faut la reconnaître, mais on connaît son visage, donc...
Voilà, c'est ça, The Innocent Hookup. Mais de toute façon, je pense que... Les arnaques, ça fonctionne aussi comme des quêtes. Je m'en rappelle maintenant. Le fait de tomber sur une fille, voilà, comme par hasard, il y en a plusieurs. Hein, au même endroit. Mais ça, j'appelle pas ça Blue. Hein. Ouais, bien joué. Normalement, c'est The Girl in Front. Hein. Quoique. T'as fait chier avec ça, comme si c'était pas suffisamment chiant de s'emmerder. Speak to the one wearing blue. Ouais, gros malin. Front, c'est ça? Look closer from the side. Donc honnêtement, c'est bien assez chiant, hein, le mini-jeu. Parfois tu galères, parfois tu galères pas. Ouais, c'est elle. Hein. Donc honnêtement, donc au début, c'est flou, l'image. Et quand tu describes your body, quand tu réussis jusque-là, c'est en trois étapes. Hein. L'image n'est plus floue, elle est nette, mais tu vois toujours pas son visage. Ensuite, quoi, c'est fini, là? On est au Hotel District, c'est bon, on se l'est tapé, ben putain. Ça a pas été long. Ben oui, pourquoi pas. Ah, bien, bravo. Pager invite her to play minigames with you. Bah, dis donc, ça a pas été... on connaît rien d'elle et tout. Ça a pas été long. Hein. Attention, parce que vous pouvez retomber sur elle, hein, au fun boot. Et si, maintenant que vous êtes sorti avec elle, vous tombez sur elle au fun boot, elle va... Bah, tu vois, ça continue, là. Elle va mal le prendre, hein, je suppose. Doudoum. Bien. Call me. Ah ouais, mais c'est ça, c'est énorme. Bon bah écoutez, je vais sauvegarder. Et on va... je vais recommencer. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on... quand on a quelqu'un d'autre, quoi. Quand on a quelqu'un... Ce qui me semble que oui, effectivement, vous avez trois filles normales, comme elle. Et il y en a une, bah c'est un mec, je suppose. Et il y en a une, bah c'est une arnaque ou je sais pas quoi, un setup. Ou une vieille dame ou je sais pas quoi. Oh bien, j'ai réussi au moment où, où ces connards m'atteignaient. Donc voilà, c'est tout un bordel, hein, pour savoir. Bon allez. Mais je crois qu'effectivement, et ça compte comme des quêtes annexes. Hein, donc c'est pour ça qu'on va être obligé de les faire quand même. Je vais essayer quelques petits trucs et encore une fois, dès que je tombe sur quelque chose d'inhabituel, un petit peu comme là... soit la prochaine fille, soit une arnaque, ou je sais pas quoi. Eh bien, je vous reprends. Allez, à plus. Bon, nous voilà de retour. Alors là, je vais vous montrer ce qui se passe quand on arrive à befriend, entre guillemets, bah, la fille en vert. Hein. La fille quelconque, entre guillemets. Kiryu lui donne rendez-vous à Rookie. En rouge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est pas l'une des filles qu'on peut befriend. C'est une arnaque ou je sais pas quoi, là. À mon avis, c'est ça. Donc, tu vois, comme d'habitude, ça se déclenche tout seul et... Je pensais qu'elle allait me dire qu'elle avait un boyfriend. Ah, bien. The Flirty Hookup. Mais si, voilà. Je l'ai insulté alors que... Si, c'est une vraie fille, en fait. Comme d'habitude, il y en aura plusieurs. Donc elle a dit qu'elle portait un truc rouge. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est pas elle, hein. C'est pas ses cheveux. Quoique. Hein ? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? The Flirty ? Si, c'est... oui, au fait, il y en a une différente pour chaque course. Hein. Et là, j'ai fait le facile. Normal, c'était Riku, donc innocent. Facile, bah, c'est elle, flirty. Et difficile, enfin, le long, c'est pas ça, c'est court, moyen et long. Et le long, bah, c'est The Sexy Hookup. Donc on a on a hâte de voir ça. Putain, mais c'est bizarre, il me semblait pas que c'était elle, pourtant.
Bah si, je me suis trompé en fait. Make sure you pick the one that matches the description. It was the furthest woman. Oui, parce que l'autre c'est rose. Donc c'est the farther. Je suppose. C'est complètement con, en plus elles ont la même coupe de cheveux et tout. Non, mais je me suis planté en fait. Mais pourquoi elle était aussi dans le... Oh oh. Ouais, bah, elle est un peu mieux comme ça, là, je suppose. A total weirdo. C'est qui ce connard? Elle est mieux comme ça qu'avec le téléphone, là, c'est marrant. Un ex, il veut pas me lâcher. Je lui ai fait comprendre que c'était fini, mais il est long à la détente. On va devoir l'affronter. Et à moi maintenant, t'as compris? Comment ça se fait que quand on avait affronté le Pleasure King, c'était elle qu'on avait vue? Moi, j'étais persuadé que la verte, dans mes souvenirs... Que dans mes souvenirs, bah c'était elle, la fille bateau, en fait, la fille de base. Mais en fait, non, pas du tout. Prochaine fois, j'essaierai le... Mais pourquoi il y avait aussi une fille comme elle? Pourquoi elle était aussi dans le normal course? C'est ça que je comprends pas. Vous m'avez convaincu, Kiryu-san. Allons-y. C'est bizarre, j'aurais pas misé un copec dessus. Hein. Qu'elle en faisait partie, mais si. J'imagine qu'elles sont de mieux en mieux, non? Pourtant, c'est bizarre parce que... Plus ça dure longtemps, plus c'est facile. Parce que là, franchement, j'étais à 1 minute 30, hein, la moitié. Est-ce qu'on peut se revoir? Rien ne nous empêche. C'est bizarre que, franchement... D'accord, je vois. Espèce de petite cachotière. On peut faire les mini-jeux avec elle et tout, maintenant, ça c'est énorme. Elle a eu un petit problème de tête, non? Un problème de pâté de tête. Heureusement qu'il nous re-téléporte au phone boot. Hein. Tu vois, ici, là. Il n'y a aucune raison pour ça, mais... Ils le font pour plus de pratique. C'est énorme. C'est marrant, ça. Je pensais pas que... Je pensais vraiment pas que c'était une vraie fille. Bon, bah écoutez... Je vais essayer le mec avec... Non, je vais essayer le mode long. On va être long et dur. Peut-être qu'elle aura un maillot de bain rouge. Parce que l'autre, l'arnaque, là, le mec, c'est rose. Je sais pas. Écoutez, ben on recommence. On est reparti. Et je vais essayer de tomber sur la vraie fille. En mode... je vais essayer le mode long, cette fois-ci. Et... Voilà, tu vois, celui-là, là. Ça coûte plus cher, mais ça dure plus longtemps. Donc ça te laisse plus de chance, mais peut-être que c'est plus dur, hein, pour le coup. Peut-être que les cases durent, se déplacent plus vite, etc. Et dès qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, que ce soit la vraie fille ou pas, eh ben, je vous reprends. Allez, à plus! Bon, nous voilà de retour. Alors là, j'ai fait avec la fille au maillot blanc, rose, clair. Vous voyez? Et à en juger par son visage, ben elle a pas de moustache. Hein, mais je crois que c'est aléatoire, en fait. Ça se trouve, c'est elle, hein, ce sexy type. Ça m'en a tout l'air. Hein. Donc c'est un piège, parce que des fois, certaines filles ont la même couleur, plus ou moins, de maillot, vous voyez? Il y a une chance que ce soit un mec à moustache, en fait, à la place de elle. Il me semble, hein. Il me semble bien. Donc là, on a eu de la chance. On a eu les trois filles à la suite. Je pensais pas. Il faut croire, hein. C'est pas les arnaques. Mais là, ça va être dur, hein, du coup, d'avoir les autres. Ouais, c'est ça, c'est Sakurako. Ah, quoique, Sakurako! Ah non, c'est une arnaque, en fait. A purple outfit. On verra bien, hein, avec le nom. C'est peut-être le Sakura Mekui, hein, d'ailleurs. Le 34 qui est en double, hein, d'ailleurs, sur le site, là. Cette quête est en double, hein. Bizarrement. On va le voir avec le nom de la quête. Hein. Fais voir. Sakura Storm, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Sakura Shock 34, c'est pas la fille. Mais Ko, normalement, c'est pour les mecs, justement. Non?
Donc tu vois, déjà, on n'est pas placé sur le... Ah oui, c'est un lapin. Non? On va attendre 2 heures et personne va venir. Tu vois, ça se passe pas comme les autres, hein, déjà. Mais c'est bizarre, putain. Pourtant, elle avait... Elle est coincée dans le trafic. Enfin, c'est pas trop tôt, hein? Mais elle ressemble pas du tout à ça. Non, c'est le mec à côté, hein, regardez. On va croire que c'est nous, mais... Mais c'est quelqu'un d'autre. Ça arrive, hein, de temps en temps. On va attendre là 10 heures, ça c'est énorme. On va attendre sous la pluie. Bordel! Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça, un téléphone club snub? It was just Sakura. Some new slang. Un club chill. Tu vois? Elle prétend d'appeler quelqu'un. Mais elle m'a stood up. J'ai perdu 2 heures. Oh non, j'y crois pas, moi aussi. Non. Je pensais que... Ah ouais, c'est ça. D'accord, ok, c'est marrant, je me rappelais plus de ça. C'est pas encore le printemps, pourtant. Bon, ben voilà, ça peut arriver. Tu vois, c'est complètement con, mais c'est comme ça. C'était l'un des 2 trucs bidons qui peut arriver. Il y en a un deuxième. Et en fonction de ce que tu veux, tu vois, c'est... ça peut être plus ou moins difficile à trigger, hein, encore une fois. Bon, bah écoutez, je vous coupe encore une fois. Et on se retrouvera quand quand il se passera quelque chose de spécial, comme d'habitude. Allez, à de suite. Bon, nous voilà de retour. Alors là, on est parti pour le deuxième truc bidon. Vous voyez, il faut tomber sur Mireille. Et non pas Mireille, Mireille Dark. C'est marrant. On verra ça plus tard dans un autre Yakuza, là aussi. Wearing blue. Ah bon? Il me semblait que c'était violet. Ça, c'est marrant, ça. Parce que c'est Riku, hein. Enfin, c'est la fille avec laquelle vous discutez, là. Elle vous dit les mêmes choses que Riku, elle a le même visage que elle, c'est le maillot de bain bleu. Donc, c'est ça. J'ai regardé sur Internet pour tomber sur elle. Donc, soit tu retombes sur Riku, soit c'est elle. Voilà, bien, Global Warning. C'est ça que... C'est ça qu'il faut pour le prochain truc bidon. Donc c'est pas une fille avec qui tu peux sortir. Je vois personne d'autre, je vais aller la voir. Et elle va nous prendre pour un creep. Ou alors c'est un mec. Qui êtes-vous? Énorme. C'est Otekon. Je m'attendais pas à ça. Peut-être c'est un mec, hein, elle aussi. Je vous imaginais différemment, vous savez. Je sais pas si c'est vraiment une fille. Oui, c'est un drag queen. Pourquoi vous n'étiez pas comme ça au téléphone? C'est n'importe quoi! Où ça? Vous le savez, je pense. À l'hôtel. Non! On perd des points de vie. C'est con. J'arrive pas à y croire. Elle m'a traîné de force jusque-là. Eh ben écoutez, vous êtes une femme comme une autre, après tout. C'est con. Il y a pire, hein, Kiryu. J'ai perdu quelque chose que je retrouverai jamais. Ça aussi, c'est mauvais côté, le téléphone. Si j'avais su... Non ! Ok, d'accord. Bah, c'était ça. C'est marrant. Je l'ai eu en mode hard. Voilà, en mode long.
Mais ça se trouve, ça veut rien dire, encore une fois. Et là, j'essaye désespérément de tomber sur... sur la sexy... la troisième fille. La troisième, et ce sera la dernière. Le dernier truc du... La dernière quête annexe avant Amon. Il nous reste 30 minutes pour le débloquer. Et le dernier des fun boots. Voilà, ici, là, vous voyez. The sexy hookup. Ça, c'est marrant, elle est au milieu, là. Mais normalement, c'est en mode long, hein, si on en croit l'autre con. Eh, mais c'est une blague, il en reste encore deux, là. C'est quoi, ça? Pourquoi il en reste encore deux? Ouais, ben, ça sera pas fini, hein. Mais non, c'est pas le dernier avant Amon. Il en reste encore deux. J'avais pas fait gaffe. Bon, en attendant, il faut que j'essaye de débloquer le The sexy hookup. Déjà, dans un premier temps. Et ouais, ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Et après, ben, on verra ensemble c'est quoi ces deux trucs qui nous restent là. Allez, à plus. Bon, nous voilà de retour. Apparemment, j'ai... Ben, apparemment, c'est Ayaka. Hein. La dernière, la sexy hookup. J'en sais rien. Je sais pas si c'est vraiment elle. Mais en tout cas, c'est le bikini rose clair. Voilà, le même que le Sakura, là. Donc, on va bien voir si... Je pense que c'est la best. Et apparemment, c'est pas une histoire de... court, moyen, long. Ça, c'est juste la durée et le prix du truc. Donc, autant jouer en long. Apparemment, ça change rien. Hein. C'est pas ça. C'est pas une fille... Parce que le mec de la vidéo, là, que j'ai regardé, il l'a eu en facile. Hein. Donc, bon. C'est pas que... Ouais, c'est bon, c'est elle. Bien joué. Purple! Deep Purple. Donc, cheveux longs, ce visage-là, et habillé en violet. Et comme d'habitude, il y en aura deux au même endroit. C'est violet foncé, hein. Apparemment, je me suis spoil hein, sur son apparence, donc... Deep Purple. Bien, bravo. Oui, je pense que c'est elle. Ouais. On dirait Ibiki. Je pense que c'est pas dégueulasse. Et on aura fini avec ça. Il faudra se renseigner sur... Ouais, non, c'est pas elle, hein, clairement. Tu vois qu'elle a un earband, hein, regarde. C'est pas du tout le même look. Hein. Évidemment que c'est The Closer. Hein. Tu vois, elle a un headband, tu vois. Hein. Bon, c'est presque violet, le truc, mais bon. Donc c'est Closer, hein, le plus près. Closer de Joe Inoue. C'est clairement elle. C'est une vieille dame, l'autre. Donc tu vois, c'est pas facile, hein, la vie de séducteur en téléphone. Oh oh. Oups. Ah si, c'est elle. Ah, y'a qu'à Death. C'est bizarre. Japanese. Non mais, c'est pas elle. Kuryu. Non mais, c'est pas elle, on s'est trompé. On s'est trompé. Mais pourquoi? Elle est pas habillée comme ça, normalement. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais vu ça de ma vie! Ah, y'a Kades! Non mais on s'est trompé! Mais pourtant elle est comme ça! Mais non, c'est pas possible! Elle avait un earband! Et elle avait une vieille face! Elle est pas habillée en rose! Oh non, c'est abusé! On avait réussi! C'est de la triche, je suis pas d'accord! Fais voir! Mais non! Il fallait faire exprès de se tromper, de parler à l'autre... Alors que c'était évident que c'était pas elle! Fais voir la vidéo, là! Dum dum, dum dum. Mais non, mais c'est abusé! Ah, y'a Kades! Qu'est-ce qu'il a fait, lui, ce con? Ah, ni de better look. Mais non! Fallait s'approcher! Mais comment tu voulais que je le sache? Oh putain! Il y en avait une troisième dans le fond! En violet foncé! Oh, c'est abusé. Et oui, voilà, elle était là. Bien joué, il faut que je recommence. Je dois tout refaire. Incroyable! Mais non! Comment tu voulais que je le sache? C'est pourri!
Je vais voir si je l'ai débloqué là. Oh. C'était déjà suffisamment chiant de tomber sur elle, faut arrêter! Il fallait s'approcher, et elle était derrière, dans le fond, à gauche de l'autre avec le earband là. Mais comment tu voulais que je le sache? C'est pourri, bordel! Bon bah écoutez, je recommence tout, et je vous reprends quand j'aurai trigger ce truc. Allez, à plus. Bon, nous voilà de retour. Alors là, j'ai été pris un petit peu de court. Vous voyez, une autre quête annexe, je l'avais pas vu venir du tout. Il y en a une autre, et peut-être même encore une autre. Vu qu'il en restait deux, vous rappelez. Là, c'est en tombant sur une fille appelée Maria. Vous voyez, elle disait, elle était petite et habillée en violet. Donc on va bien voir ce que c'est, hein, The Predator Call. Je cherchais Ayaka, et d'ailleurs c'était elle, hein, la fille avec qui ça trigger, une fois de plus, c'est elle. Hein. La fille habillée en rose blanc, clair, et la tête de Ayaka, tout ça. Et c'est en voulant retomber sur elle que je suis tombé là-dessus. J'étais persuadé que c'était elle, et j'ai vu Maria, je me suis dit « Non, c'est quoi ce bordel ?» Est-ce que je dois lui demander ou pas ? Probably Maria. Qu'est-ce que vous foutez derrière moi? Vous êtes creepy. Nani? Ah non, vous n'êtes pas elle, c'est sûr. Si. Oh non. Vous êtes pas du tout comme vous vous êtes décrite au téléphone, c'était un mensonge. C'est quoi ce bordel? On tombe toujours sur des... Il veut se battre. On tombe toujours sur des cas spéciaux. Allez vite à l'hôtel. Non. Oh putain, on a perdu encore plus de points de vie qu'avec Mireille, ça c'est incroyable. Mireille. Donc ouais, honnêtement... c'est le bordel. C'est une mangeuse d'hommes. Elle avait pas l'air mal de loin pourtant. Bon ben, est-ce que la dernière quête, on va crever si ça continue comme ça. Tu peux crever Mireille, d'ailleurs justement, ça c'est drôle. Je t'aurais prévenu Mireille. Alors est-ce que... Bah du coup, est-ce que la dernière quête, la deuxième qu'on avait vue là dans le truc, est-ce que ça en est là aussi? Celle-là, c'est The Sexy Hookup, donc Ayaka. Et celle-là, là, c'est aussi un truc... ils se sont lâchés hein, avec ce machin. Parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Du coup, ce serait quoi? Ce serait avec la verte? Vu qu'on a eu un truc spécial avec la bleue, un truc spécial avec Ayaka, donc ce serait un truc spécial avec la verte. Je sais pas. Bon bah écoutez, quoi qu'il en soit, je vais essayer de trigger Ayaka, et je vous... comme on avait fait là. Et je vous reprendrai quand on y sera. Allez, à de suite. Bon, nous voilà de retour. Alors, je sais pas du tout ce que c'est que ça. On va voir ensemble si c'est bien la dernière quête. Je me suis renseigné, oui. Normalement, c'est la fille au bikini vert. Et elle a une voix très jeune, ils disent. Ben là, je suppose que c'est ça hein, qu'on vient de faire. Donc, Haruki. Forgot me already. Wearing a red outfit. My hair is done up, come quickly. Qu'est-ce que c'est que ça là? Hein? C'est pas ça, hein. Apparemment, c'est juste la fille... Ah, mais on peut refaire, là? Hein? D'accord, on... C'est la fille qu'on connaît déjà, là. D'accord. Et il faut refaire, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Ouais, si, c'est elle, hein.
Ok. Bon, ben, je me suis trompé. C'était pas ça. Ça s'appelle Mother, je sais pas quoi, le dernier qu'on doit faire, là. Bon, ben, en tout cas, c'était pas ça. On s'est fait niquer, un coup pour rien. Bon, ben, c'est juste elle. Ça recommence, là. Écoutez, ben, c'est pourri. Mais normalement, c'est elle, hein. C'est avec le bikini vert. Donc, c'est très bizarre. Faudra que je fasse attention à la voix et tout ça. Bon, ben, à plus. Soit pour vous... À tout à l'heure, soit pour... à de suite. Soit pour vous montrer le Mother, je sais pas quoi, là. Soit pour Ayaka. Donc, à de suite. Bon, nous voilà de retour. Alors cette fois-ci, on va faire Move In for a Better Look. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est bon, on y est. Hein. Elle a dit à Yaka, tout ça, ça trigger la quête, et voilà. T'as vu, dans le fond, c'est n'importe quoi. Comment tu voulais le savoir? Enfin bref, elle le mérite. Il faut souffrir pour... Middle Farzer. On est d'accord, hein? Je suis sûr que c'est elle. Il faut le mériter pour avoir du fun, j'ai envie de dire. Ah, c'est elle. T'as vu, c'est la meilleure, hein, y a pas de problème. C'est la best des trois. Y a aucun problème. Vous m'avez fait attendre. Mais elle dit des trucs, c'est costaud. Hein. Sexy ou pup, je suis d'accord. Hein. Ou cup. Par exemple, si elle nous pose la question « Quel est ton sport favori ?» et qu'on répond « Baseball », elle dit « I like playing with balls ». Donc ça veut tout dire. Ouais, pourquoi pas. Peut-être. Je m'attache trop facilement. See you. Donc tu vois, c'est un peu nimp, hein. On en apprend pas grand-chose sur elle, tout ça. C'est juste avec les questions qu'on peut lui poser, puisque c'est totalement aléatoire dans les fun clubs. Quel est ton métier, etc. Oula, énorme la fille à droite. Elle est keblo. Bien. Là, par exemple, il y en a une qui est infirmière, il y en a une qui travaille à un clerc, etc. Oh, elle a disparu. C'est complètement con, quand même. Donc, eh ben, il reste plus que la Motherly Mekoi. Sauf que le mec, il prévient, faut être full PV. Donc, je vais aller me soigner avant de le faire. Et je vous reprendrai quand j'aurai trigger le truc. C'est avec la fille en bikini vert. Encore une fois, donc on verra. Donc, tu vois, finalement, il y en a trois vraies et trois fausses, faut croire. Bon, allez, à plus pour pour ce truc. Allez, à de suite. Bon, nous voilà de retour. Alors là, je viens encore de réussir avec la fille en vert. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est elle? Ou est-ce que je me fais encore tease? Sayuri! Red, hot red. Bien. On va bien voir, hein, ce qui va se passer, encore une fois. Est-ce que ça va être encore une fille au physique particulier? Une grand-mère. Peut-être, hein, parce qu'ils nous ont pas encore fait le coup pour l'instant. Mais quand tu lui poses la question « Quel âge as-tu ?», elle dit « Berly légal », donc... ouais, c'est ça. Hein. Mais à mon avis, c'est ça. Hein. Ah bah écoute, elle est très bien. Hein. Quoique... Bon, pas grave, j'y vais. Oui, parce qu'elle avait une voix très... très jeune, il disait. Il faut pas se fier aux apparences, après tout. Nani. Y a personne, la voie est libre. Attendez, quelque chose cloche. Mon instinct me dit que... c'est sa mère. Écoute, elle a pas l'air dégueulasse, hein. Même si c'est elle... On lui passe devant le nez. Oh non, c'était elle, j'y crois pas. Oui, bah finalement, elle est pas si bien que ça. D'accord, je vois. C'est juste que j'imaginais autre chose. Allez, pas de ça entre nous. Après tout, il y a pire, hein, comme d'habitude. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Vous savez très bien de quoi je parle. C'est ce que font les gens... Bien joué. C'est les gens du phone boot. Du phone club. Pourquoi il faut que ça m'arrive? Pourquoi le destin s'acharne contre moi? Bah écoutez, c'était la dernière. Au revoir. Un toy boy. Il y a pire, hein, encore une fois, surtout au niveau du corps. Bien, bravo. Ça n'est jamais arrivé, Kiryu. Oublie ça. Rappelle-toi ce que les développeurs ont dit sur toi. Voilà, le même truc qu'avec Majima. On a 10 minutes pour le battre, hein, bonne chance. Le moment est venu, Kiryu. Tu vas prendre cher. Zone 51. Oui, bah bullfighting, c'est comme... Ouais, I'm on, ça veut dire j'en suis, hein, oui. Le head of the clan. C'est ça, hein. On va se soigner d'abord. C'est plus ou moins ça, hein, Jackie. C'est un bon jeu de mots. C'est là que j'étais venu pour me soigner. Sinon, on serait dans le rouge, hein, si je l'avais pas fait. Hein ? Voilà, comme ça. Bah, faut prendre le taxi, comme avec Majima. Alors, est-ce qu'il est plus facile ou moins difficile que Joe Amon ? Là, ça va être sous Amon. Donc, c'est un sous Amon, donc ça devrait être facile, non ? Je sais pas, ça me semble bizarre, hein, quand même. Il y a un taxi juste là, on va y aller. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il a été beat. Il est de retour ici, t'as vu ? Il a été... Il a été... Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai perdu mon mojo ! Qu'est-ce que... J'y arrive plus ! Je peux plus aller jusqu'au bout, Kiryu ! Je sature ! C'est le bordel ! Je suis Mister Libido, j'arrêterai jamais ! Je ne peux pas abandonner. Abandonne l'idée que j'abandonne. Qu'est-ce que je devrais faire à votre avis? Je vais l'aider. Ready to pretty, gone. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? C'est con, j'aurais aimé avoir le fin mot de l'histoire, mais on n'a pas que ça à foutre. Voilà le Bullfight Arena. Parce que c'est peut-être la dernière partie, hein. On a 7 minutes pour battre Amon, bonne chance. Ça va être une fille. Elle va nous mettre sans dessus dessous. Ouais, bah a priori, il a l'air à ressembler à l'autre. Hein. Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? C'est le père de Joe. Quoi, c'est le chef du clan, carrément. Il a une perruque. Un rêve. J'ai vu un dragon. Je sais que c'est toi, Kiryu. Il est en mode... En mode objection. En mode Phoenix Wright. Allez, on y va. Tu vas crever, Kiryu. Oh, un bazooka. Il a un canon. Eh ben bonne chance. Je vais me mettre en mode brawler. Mais c'est complètement cheaté. On est brûlé. Comment tu veux qu'on y arrive là? On peut pas s'approcher de lui. Mais c'est complètement pété. Une fois de plus. Hein. Là on est stun bizarre. Oh le rayon noir. T'as vu, ça fait un petit peu genre cell shading. Oh putain, il a ça aussi. Ça, c'est un truc de Dead Souls. Hein. Aïe! Il me repousse. C'est complètement pété, quand même. Mais attends, mais oh! Qu'est-ce qu'ils ont fumé en faisant ce combat, là? Prends ça. J'ai l'impression qu'il est plus facile que l'autre, quand même. Douf, douf, douf. Mais attends, c'est la tête chercheuse, là-haut. Douf, douf, douf.
Ouais, bah c'est complètement abusé quand même. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais... Mais la drogue, c'est mal. Ah, je peux le projeter, lui! Contrairement à l'autre. C'est marrant, ça. Oh, là, tu te fais chain en plus. C'est l'apocalypse, hein, c'est ridicule. Donc là, si vous avez une arme genre canon, vous aussi, flingue, ou le Golden Mekouille, là, le truc à munitions illimitées, n'hésitez pas à l'attaquer à distance, hein, parce que là, c'est complètement pété, quand même, c'est ridicule. Ah, pas mal, là. On l'a interrupte. Ah, c'est pas mal en mode dragon, là. Parce qu'on est rapide, hein. Et on l'interrupte. Putain, mais c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a pas touché une seule fois. Prends ça. Oui, mais attention de pas niquer la jauge trop rapidement. Il faut être rapide. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il faut... Il faut bouger de ouf. Pour le perdre, là. Merde, je me suis fait toucher. Comment ça se fait? Attention au rayon laser. Faut bien regarder comment il... Comment il positionne son canon. Ah, merde! D'où ça me touche, là? Je peux pas me relever. Ah, putain! C'est dommage, on l'a bien niqué. Ah, putain, mais oh! Je peux rien faire, je me fais chain, là. Ah, putain! Fais chier à counter avec ça, là. Il faut l'assaillir de coups, vraiment. Faut pas le laisser respirer. Ah, putain, mais fais chier de me brûler comme ça. Mais ça fait très peu de dégâts, quoique. Mais putain! C'est vraiment à chier, ce truc! C'est pas maîtrisé pour un sou, hein. Oh, par contre, ça fait des dégâts colossaux. Ils se sont sentis obligés de rajouter ce truc, évidemment. C'est le rayon de Dead Souls. Oh, ça... On pouvait avoir ça, hein, comme arme. Après avoir battu Amon, d'ailleurs, justement, qu'il l'utilisait aussi, je suppose. On est pas mal, hein, tu sais quoi. Putain! Si c'est trop rapide, je peux rien faire. Hein. J'ai rien compris. Ah, mais non, pas ça! Ça a l'air faisable, hein, tu sais quoi, mais c'est totalement random. Hein. Ah, putain! Mais faut pas s'arrêter de bouger. C'est simple, hein. Oh, bien joué. Attention, attention. C'est quand tu veux, hein, que tu te relèves. Putain. C'est totalement random, c'est abusé. Oh, putain. C'est pas mal. Mais il y a un truc à savoir pour ce combat, c'est obligé. Faut voir s'il donne des objets de brin. Non, lui, il donne pas d'objets de merde, là, bizarrement. Ah, merde! J'ai fait que de la merde. J'ai foncé dedans comme un blaireau, là! Connard de merde, là! Bon, c'est dommage, hein. Ça a l'air faisable, mais... Ça a l'air plus facile qu'avec Majima, quand même. Mais c'est loin d'être facile. Ça fait très peu de dégâts. Hein. Mais il se protège avec ça, comment tu veux, là. Bon, là, on fait que de la merde. Hein. On est pourri. Comment tu veux? Tu te fais chain au sol et tout, là. C'est bidon. Attention. Esquive. Tu vois, là, c'est pas mal hein, quand ça fait ça. Prends ça. Tiens, je vais t'écraser comme une mouche. Mais je pense qu'il faut pas utiliser la jauge de hit. Hein. On est en train de le bolosse, là. Il fait que se protéger, il te repousse pas ni rien. Tu peux... Ouais, sauf ça. Hein. Ça, c'est vraiment chiant, quand même. Un espèce de counter, là, pour te faire reculer. Attention. Il est en mode pirate. Il y a un truc à savoir pour ce combat, c'est évident. Oh, merde! Quand il fait ça, tu peux pas faire grand-chose, quand même. Ah, mais putain!
À peine tu te relèves, ça recommence, là. Sarkozy. L'affaire Pygmalion. Prends ça. Mais il y a un truc à savoir, c'est obligé. Ah, merde! Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, putain, mais oh! Je me suis pris deux fois, là! T'as vu ça? Mais j'étais stun, je pouvais pas faire grand-chose. Ah, c'est dommage, je sens que... Sankara. Je sens que... qu'il est prenable. Hein. Mais c'est un petit peu aléatoire, quand même. Mais putain! Dépêche-toi. Je sens qu'il y a un truc à savoir pour ce combat-là. En plus, là, on est en mode vitesse maximum. Ah, j'ai peut-être une petite idée. Ouais, mais s'il fait ça, c'est mort. Hein. Il le fait quand t'es stun, de sorte que tu puisses pas esquiver. C'est bidon, là, faut arrêter, il y a un moment. Allez, va te faire foutre, on arrête là. Ça fait une heure. C'est la fin de cette épreuve Yakuza 0. De cette épreuve Kiryu et Majima. Ou l'épreuve Kiryu 0, si vous préférez. Mais... comme d'habitude, comme il fallait s'y attendre... aïe. Comme d'habitude, c'est costaud. Rends-moi ça. Oh, quand je suis par terre, et oh. Donc c'est normal, hein, si ça a un effet un petit peu dessin animé, cel-shading comme ça, c'est voulu, hein, c'est comme ça. Game over. Le prochain jeu Yakuza qu'on fera, eh ben, ce sera libre à vous d'essayer de deviner ce que ce sera, comme d'habitude. Mais est-ce que ce sera vraiment une surprise cette fois-ci? Encore pour la précédente, on pouvait douter, mais bon. Climax Battle. Il fonctionnera pas sur le même système que Yakuza Kiwami et Zero. Encore une fois, c'était les deux seuls dans ce genre-là, avec les différents styles de combat, etc. Ces deux-là, ils étaient quasiment pareils sur le fonctionnement, tout ça, le moteur. Le prochain, ce sera très différent. Et celui qui sera après le prochain, lui aussi, il sera très différent. Mais je pense que vraiment, la plus grosse différence, la plus marquée, ce sera clairement entre Yakuza 0 et le prochain qu'on va faire. C'était pas sans mal, hein. 56 parties. Bah putain, on verra bien. Est-ce que les prochains seront plus longs, moins longs? Enfin, moins longs, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y en aura un jeu Yakuza Notamment le 4 et le 5, hein. S'il y aurait des candidats potentiels pour le... Est-ce qu'ils seront plus longs? Et le 7, évidemment, mais lui, c'est une catégorie à part, hein, vraiment, c'est... Il est pas vraiment comparable avec les autres. Mais, et encore que, même lui, je sais pas si 56... Mais il sera clairement à part des autres, c'est clair. Bon, écoutez, c'est la fin de cette épreuve Yakuza 0. J'espère que vous avez apprécié cette épreuve dans son intégralité. Merci à vous de l'avoir suivi. Et le prochain qu'on va faire, vous inquiétez pas, ce sera... Il sera très différent au niveau du fonctionnement et j'ai hâte encore une fois de voir le... Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, hein, a priori, celui-là. J'ai hâte de voir la version PC, ce qu'il propose, et même de le refaire, quoi, là, pour continuer la suite des aventures de Kiryu, retour à l'époque présente, cette fois-ci, j'ai envie de dire. Allez, à plus, les amis. Probablement que je vais attendre une semaine de pause, une semaine avant de upload la prochaine, mais guerre plus, voilà, à plus.